Bonjour à tous et à toutes, ici c'est Tom. On se retrouve pour un troisième épisode pour Dishonored, voilà, troisième épisode en tout cas pour cette partie, voilà, cette petite partie du jeu. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Il y a une maison avec des mouches, d'accord. Est-ce qu'il y a quelque chose à l'intérieur? Ah ouais, il y en a juste à l'intérieur. Par contre, il y a l'air d'y avoir pas mal de moussaches à sang. Okay. Il y en a quelques-unes. Hein. Voilà, on se calme un peu. Ok. Hop là, il m'a fait peur lui. Il m'a fait peur. Ouais, ils vont me tuer eux, si ça continue. Ah, les gardiens vont m'entendre en bas là. Ouais, je pense qu'ils m'ont entendu, hein. Je fais tellement de bruit sur le coup. Ouais. Oh, vous allez arriver, vous inquiétez pas. Bon, le seul souci, c'est que... toujours on y va à la grenade, hein. Au pire, on y va à la grenade. C'est juste un peu bruyant. Ah, ok, il y en a un nid juste là. Oh, t'es pas sérieuse. T'es pas sérieux, ça a touché une mouche avant? Voilà. Ok, alors là j'ai plus de flèches là-dedans par contre. Oh, je vais peut-être y aller avec grenade. Alors. Ok, là on est dans le conservatoire royal à Palais. Ouais, c'est pas en très bon état, on va dire. Qu'il n'y a pas l'air d'y avoir grand chose par là. Il n'y a pas grand chose de ce côté là. Ok. Hop là. Attends. Combinaison. Je suis certain d'avoir vu l'un des étudiants de mon cours noter la combinaison de mon coffre, ce dilettante né avec une cuillère d'argent dans la bouche qui veut devenir journaliste. Ce salopard n'aurait pas pu choisir de carrière plus appropriée avec son snobinard de cousin qui tient la boutique clandestine du coin. On dirait qu'ils sont tous aussi sournois les uns que les autres dans cette famille. Je vais devoir demander à Margaret de changer la combinaison de coffre. Ok. Donc on suppose qu'ils l'ont pas encore fait, hein. Ce qui veut dire que si on trouve son ami, normalement on devrait pouvoir le trouver. Voilà. On essaye un peu, hein. Bon. Ok, si on passe par là, tiens. Est-ce qu'on... Ça m'étonnerait, voilà, là on se fait pas autant énerver. Par toutes les bestioles. Alors... C'est quoi? C'est juste un petit minerai. Il n'y a pas l'air d'y avoir grand chose. Histoire de récupérer un peu de vie. Ah. Bon, je peux pas le prendre.
Pour ça, pas grand chose, hein, mais tout de même. Ça, c'est quoi? C'est une auto qu'on peut pas les prendre. Bon, on se doute quand même bien qu'il y a personne en bas. Hop. C'est juste beaucoup de ruches sur le coup. Beaucoup, beaucoup de ruches. Hop. On va retourner par là. Et on va redescendre. Ok. Alors là, je pense qu'il y a un... Ça y est, un charme d'os juste à l'intérieur de ce bâtiment. Et il y a quelqu'un ici. On va regarder si elle est gentille ou pas. Ouais, c'est pas très gentil. C'est pas très gentil, donc sur le coup. On va s'assurer qu'il n'y ait pas trop de risques. Doudou. C'est juste une civile, mais on les connaît. Ils appellent les gardes ou quoi que ce soit. C'est pas génial tout ça. Donc autant la neutraliser tout de suite. Voilà, ça c'est la porte hein, par laquelle on serait passé. Voilà, donc là, ça c'est vraiment la nouvelle zone. Conservatoire royal qui est juste ici. Il y a ça, il y a plein d'huiles de baleine de ce côté-là. Un autre portail foudroyant. Cela, je pense pas qu'on puisse le passer. Enfin, est-ce que quelqu'un m'a vu? Non, quand même. Mais ouais, si on serait arrivé par là, ça aurait pas été super facile. Donc là, on va faire le tour de ce bâtiment. Tranquillement, hein. On n'est pas pressé. Aller chercher notre petite rune. Ça n'a pas forcément le coup toujours d'aller la chercher, mais bon, on sait pas. Ça se trouve, elle vaudra le coup. Hop, je reçois un petit message. Oh, ils sont pas mal. 1, 2. Là, ça a l'air d'être un civil dans le coin. Ok. Ouais. Ok. Bien important de continuer ça. Voilà. Erreur de fabrication. Qu'est-ce qu'il fait celui-là? Les grenades ennemies ne fonctionnent pas toujours. Ah oui, c'est pas mal. C'est pas mal. Pas prendre le pistolet par contre. Ouais, non, ok. Alors on relance un petit coup. Ok. Il est vraiment juste à la limite, hein. Les hurleurs ne déconnent pas. Winnow, tu peux savoir ce qui est arrivé au proprio avant toi. Quand il a sorti, je vous payerai plus rien, c'est fini. On a répondu d'accord, tu nous as bien eu. Et on lui a foutu la paix. Et puis on a payé un de ses amis pour qu'il l'emmène pêcher une semaine plus tard. Ils sont restés sur leur bateau de la journée. Ça mordait bien, ils ont fait une bonne prise. En rentrant, son ami lui a remis une lettre de notre part et il a filé. Dans cette lettre, j'expliquais que les appâts qu'il avait utilisés étaient des morceaux de sa mère. Les hurleurs déconnent pas, enfoiré, t'as 3 jours. Ouch! C'est horrible. Oh, ils sont bien ces appâts. Il faudrait qu'on en achète plus. Hein. Clac, c'est ta mère. Boum. Ok. Alors lui, on va le laisser là. Il n'y a rien d'important de ce côté.
sert à rien de le neutraliser. Ok. Ah ok, là on est au premier étage par contre. Ouais, donc on descendra pas plus loin, je pense. Ouais, on va remonter en haut, ça sert à rien de d'aller en bas comme ça. Allez, j'ai plus besoin de ce sort. Ah, je peux pas passer comme ça. Voilà. Parfait, parfait. Alors, par où est-ce qu'on s'en va? On peut passer par ce côté, hein, je pense. Voilà. Là, ça, c'est pas la meilleure place pour s'arrêter. Mais je pense qu'on va pouvoir aller de l'autre côté. Voilà. Là, vous voyez, on pouvait pas passer de ce côté-là. Il y a des échos bizarres dans le jeu. On ne pouvait pas passer vraiment de ce côté-là. À cause de la grille. Mais voilà. On peut passer comme ça tranquillement. Alors, il y a une petite potion. Y a personne ici? Ouais, ok. Il y a vraiment personne. Bon. Non, ça c'est rien d'intéressant. Ouais, il n'y a pas grand-chose dans cette petite pièce, hein. Ils ont oublié de mettre des trucs dedans, hein. Un petit peu d'or, ça leur tentait pas. Alors, il faudra aller avant d'aller dans le conservatoire, il faudra aller voir l'ami. Il faudra aller voir l'ami de là-bas. Alors, moi j'arrive de là, ouais, c'est vraiment une autre section en tant que telle de la ville, donc il va falloir traverser. Par contre, pour traverser tout ça, je me demande si on pourrait utiliser le chariot. Non, sûrement pas. Ok, on va se mettre ici. Alors, on pourrait le désactiver, bien entendu. Voilà. Mais je pense pas que ça vaille le coup de le désactiver. Bon, c'est sûr, là, on a un peu le tournis. Ah, je peux pas l'atteindre. Par contre, je peux sauter. J'y arrive pas. Oupala, ok. Hein, ça, c'était vraiment par chance. J'aurais pu atterrir n'importe où. Okay, en espérant qu'il ne nous voit pas. Hein. On n'est jamais trop sûr. Parce que ça tire des beaux petits missiles, ces trucs-là. Alors, il y a la tour de garde. Des petits trucs en dessous aussi. Hop, ça passe. Voilà. Ici, rien d'intéressant, je pense. Conservatoire. Alors, ce qui est bien, si je me souviens bien, c'est que si par exemple je faisais claque sur l'arbre, bon là je peux pas l'atteindre, même pas, je pourrais en tant que tel sauter par-dessus et aller de l'autre côté. Peut-être genre quelque chose du genre et sauter plus loin et passer directement à la grille. Ça, il y a des trucs comme ça, bon je suis pas encore assez habitué pour ça. D'ailleurs, il y a l'air. Ok, ça a l'air d'aller là-dedans. Pourquoi je peux aller si peu loin? Ok, peut-être que là j'y vais, je sais pas. Hop. Ok, ça c'est. Ah, c'est l'autre côté du conservatoire. C'est l'autre côté de où on était. Voilà. Allez, on va y aller plus qu'à 40 mètres. On va y aller là, juste. Continue à regarder un peu. Alors, il y a la tour ici qui a été alimentée, le portail aussi. Les deux sont alimentés par ça ici. Je peux pas y aller là, t'es sérieux? Ok, pourquoi tu veux me faire monter là, tu vois là? Ok, alors il faut désactiver ça. Il y a pas mal de gardes aussi de ce côté-là.
J'ai vraiment l'impression qu'il pourrait y avoir quelqu'un dedans. Et on va remonter là tranquillement. On n'a pas besoin de désactiver tout de suite de toute façon. J'ai pas envie de leur sonner l'alerte parce que je suppose que dès que je vais l'éteindre, ils vont commencer à paniquer. Donc pour l'instant, on fait rien. De ce côté-là, est-ce qu'il y a quelque chose par là? Non, il n'y a pas grand-chose en tant que tel. Allez, oh. Poteau suivant, voilà. Lui, il est ici. Ok. Alors, il me reste un autre balcon passé. Ah, là, un petit chemin d'accès sur le côté. On va dire un peu moins défendu. Il y a quand même deux gardes, un truc ici. Ah, il y a des petits cadeaux. On va appeler ça des cadeaux. Ce qui permettrait de passer par un autre chemin secondaire si on veut. Donc, ça, c'est plutôt bien. Et on voit, on arrive de là-bas hein, quand on a fait tout le tour. Ben, je pense qu'on va aller. Là. Je peux pas aller sur le mur. Non, 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 non. Là, il y a un poteau. Ah, je peux pas aller sur le dernier poteau. Alors, je pensais que j'aurais pu passer par ce poteau-là. Je peux vraiment, en tant que tel, aller là. Ah, ça, c'est intéressant. Pas que ça m'amène à beaucoup d'endroits, mais c'est intéressant quand même. Comment est-ce que je fais pour passer alors? Parce que lui, il est là. Hein, il est à ma hauteur à 26 mètres. On voit le balcon de l'autre côté. Donc c'est vraiment pas loin. Comment est-ce que j'aurais... Non, j'ai rien vraiment pour l'atteindre là. Donc portée, ouais, c'est tout. Si je vais sur ces tuyaux ici. Ok. Je pourrais monter sur ces tuyaux là. Et ça me permettrait peut-être de monter là-haut. Non. Ok. C'est vraiment bizarre qu'il y ait de l'eau de ce côté-là. Oh non. Oh non. Non, c'est pas gentil ça. J'aurais jamais dû sauter. Allez, dernier point de passage en espérant que c'était pas trop loin. Mais non, non, c'est pas bon. J'ai sauté sur le truc. Ça, c'est. Je pense que vraiment, c'est pour t'empêcher de monter plus haut et te mettre une limite de hauteur à cet endroit-là. En fait, elle s'est juste agrippée à rien sur le coup. Ok. Je sais pas pourquoi lui en dessous a un petit peu capoté sur le coup. Ok, mais on se retrouve ici. Donc, ensuite, on était passé par là. Voilà. On était allé ici, on avait fait le petit tour, ramasser cette pomme. Là, il n'y a rien, on avait essayé de prendre ça, on avait vu que ça servait à rien. On peut se prendre un peu de vie, on prend ça. On avait ouvert ça, il n'y avait rien du tout. Je sais pas qui j'entends dire, honnêtement, mais bon. Alors, on avait ouvert ça de ce côté-là. On avait vu qu'il n'y avait rien à l'intérieur. Pas ouvrir de l'autre côté, non. On peut se cacher en dessous par contre. Ouais, des fois que ça soit utile. Ah, ça c'est une lampe ici. On avait pu sauter de ce côté-là. Voilà. Ensuite on était monté au-dessus. J'avais fait un petit saut. Eh, ça s'arrête jamais ça, hein. Hop là. Je vais vivre! Je vais vivre! Je vais tous vous tuer! Attends, attendez, il faut sortir l'artillerie lourde. Grenade. Juste, c'est le moment de faire ombre. Voilà. Petit moment de folie. Voilà. Comment...
comment tranquillement passer au niveau. Oh, une petite tête. Attends, on va l'amener avec nous. Elle a l'air un peu horrifiée. Bonjour. Tu reconnaîtrais pas cela? Tiens. Voilà. Voilà. Le petit souci avec ces armes, c'est que ça tire. Ça tire assez fort. Bon, ça c'était n'importe quoi, on s'entend. Bon, on va le refaire. Essayer de pas tomber cette fois. Ça s'était mieux passé la première fois, à part le petit saut que j'ai essayé dans le coin. Bon, on va réessayer. On va réessayer en espérant être capable hein, cette fois. Non, lui il capote pour rien. Voilà. On va de ce côté, tranquillement. On fait hop, vie, potion. Comme ça, on est tout à fond. On remonte de ce côté-là. On va là-dessus. Ok, on monte là. Ouais. On saute là-dessus, c'est bon. On saute là-dessus. Encore une fois, c'est correct. On va attendre un petit peu que ça récupère. On pourrait descendre, désactiver ça, mais ça ne me tente pas pour l'instant. Ceux-là sont tranquilles en bas. Comme quoi, c'est plutôt facile de les tuer en tant que tel. Bon, c'est sûr qu'après, tu gaspilles tes munitions. Et si tu fais ça toute la partie, tu finis par avoir des petits soucis. Mais en ce moment, c'est plutôt facile. Oh, j'aime bien, il y a un chemin d'accès de ce côté-là. Peut-être pas, hein. Peut-être que c'est n'importe quoi. Mais on dirait vraiment qu'il y a un chemin d'accès qui monte jusqu'ici. Ouais. Est-ce que je peux monter sur cet arbre? Non, ça n'a pas l'air. Ah, peut-être ici. Peut-être ici. Sinon. Sinon, où est-ce que je peux aller? Ah, le souci, c'est ça, c'est que je peux pas aller très loin comme ça. Et assez bête, ils te permettent de faire tout en hauteur jusqu'à presque la fin. Ah, là, je suis trop proche. J'essaye de me rapprocher ici. Non. Ça passe pas. Donc, il va falloir descendre, hein, je pense. Ok. Je sais pas si ça me sert à grand chose, mais au moins ça me permet de descendre un peu. Voilà, là il y a plein de. Il y a plein de mouches par contre. Non, c'est ça, c'est des. Ah non, elles ont un appui pourtant. J'ai l'impression qu'elles avaient pas d'appui puisque je pouvais pas monter dessus sur l'autre, mais faut croire que je m'y rends pas, c'est tout. Pourtant elle est pas très loin, hein, je sais pas. Au pire, ce qu'on peut faire, on annule ça. Je vais faire une petite sauvegarde ici. Non, sauvegarder, pas charger. Hein, histoire de pas faire n'importe quoi. Hop, si on fait vraiment. Non. Non. Au pire, voilà. C'est pas tout à fait ça que je voulais faire. Voilà. C'est bien de tuer comme ça. Voilà. C'est amusant, je sais. C'est bon. Il y a un peu plus d'action, c'est sûr. Je passe pas à côté de tout. Mais j'aime le faire de façon discrète. Donc on va essayer de le faire de façon discrète sur le coup. Juste vérifier le petit truc. On est à combien? On est à 23 000. Ok, c'est bon. Hein, voilà. Comme ça, je peux garder le temps comme il faut. Savoir à peu près combien de temps il reste à faire. Pour avoir un épisode de 30 minutes. Et je finis quand même par dépasser mais avec ce truc là. Alors, par où est-ce qu'on peut aller? Ah. Quelle bande de crétins. Et toi, tu vas laisser passer l'impératrice juste devant ton nez. C'est ça le souci. Si ça se trouve, en prenant le truc de double saut que quand tu tombes dans le vide, tu peux à nouveau. Le temps ralenti, tu peux à nouveau le faire. Si ça se trouve, tu pourrais faire un double saut et atteindre cette zone. Voilà. Malheureusement, on l'a pas. Mais ça pourrait être un truc. Mais on vient de voir là-bas et je sais pas trop comment en fait y aller sur le coup. Attends.
On est discret. Voilà. Ça a bien abandonné. Moi, j'aime bien là. La petite utilisation du voilà, de l'invisibilité pour passer. Lui est pas en vie par contre. Par contre, je prends ça, merci bien. T'es mieux de pas te réveiller. Ah ouais, j'ai même pas vu le piège, hein. Il y avait un piège ici. Il était où? Est-ce qu'il y a du monde qui m'ont détecté? Non, je pense pas. Je sais même pas où était le piège sur le coup. Bon, tant pis. Au moins, je l'ai pas ouvert. Ok. J'en ai raté un là. On va dire ça comme ça. Je sais pas c'est quoi leur amusement avec tous ces pièges partout. Voilà, c'est lui qui vient déjà de se désarmer. Ah, lui sur le coup, c'est lui ici. Ok. Ok, ça c'est bon. Alors le cœur, qu'est-ce que tu me dis? Il y a une rune à 12 mètres. Ok, c'est bon ça. Et ensuite, l'œil. S'assurer qu'il est tout seul. Bon, ça a pas l'air de s'être super bien passé ici. Alors, j'ai une nouvelle mission pour vous et vos talents uniques. J'aimerais que vous me procuriez le prototype de Rose Bureau exposé au Conservatoire Royal. Il est certainement bien protégé. Puis je doublerai la commission apportée-le à ma boutique MV. Ok, d'accord. Le charme d'os. Charme d'os. Voyons voir qu'est-ce qu'on vient d'obtenir. Disons qu'on prend lui et qu'on regarde balai de balle. Les spirales tranchantes ont une chance d'éliminer le corps. Ouh, c'est joli. Je vais pas le prendre parce que je suis pas le vraiment. Mais c'est joli. Tube à réverbération. Un petit peu de nourriture. C'est parfait. Ça, on l'a déjà vu. Toujours des petits feux ici. Ah, un outil de câblage. Bon, j'en ai pas vraiment l'utilité, mais d'accord. Par contre, on n'a pas trouvé le code. Parce que le code était censé être avec lui. Ok. C'est un peu sombre de ce côté-là. Je suis prêt à lancer la petite bouteille. Allez, merci pour l'élixir, ça fait plaisir. Toujours rester bien plein. Et ensuite, bon, on a fait le tour par ici. Ce côté-là, il n'y a personne. C'est assez sinistre, hein, mais à part ça, il n'y a personne. Ah non, il n'y a rien. Ok. Ok. On peut peut-être sortir par là, par contre. Voilà. Prototype de Rosen Bureau. Ok, vers le conservatoire. Par contre, je sais pas où est le code sur le coup. Ça, c'est un peu énervant parce que c'était censé être lui qui l'avait. D'ailleurs, voilà, bureau. Alors, prototype qui est là. Ok, au deuxième étage. Entrée, patati patata. Non, c'est pas ça que je veux, c'est le carreau. Où est-ce que je pourrais trouver le code? C'est vraiment pas. Où est-ce qu'il aurait pu cacher le code? Ouais.
Hop. Non, on veut pas lâcher ça tout de suite. On aura peut-être besoin d'un tour. Non, il n'y a rien ici. Parce que ça se pourrait qu'elle soit au premier étage. Alors on voit tout le bruit que je fais, hein, sur le coup. Allez, bonne nuit. Je veux pas vous faire de mal, juste vos brochettes de rats. Attends, t'es peut-être un peu proche du feu, je vais t'éloigner. Voilà. Va avec ton amant. Je veux pas vous blesser. Je suis très gentil. C'est juste que je cherche un code. Oh, une autre carreau d'arbalète. Voilà, bouteille vide. Voilà. Hop, non, non, pas de coup d'épée. J'ai pas envie de les blesser. 11, bon, ça sera pas un code, ça c'est juste un numéro. Bon, je sais pas. Ne pas dépasser. 21. Non, bon, je sais vraiment pas pour le numéro. Au pire, on pourra aller l'acheter au marchand, hein, mais c'est certain que c'est pas l'idéal. Au moins, on a fait un bon usage de notre bouteille de chloroforme. Et on va pouvoir aller par là, mais je pense que normalement ça sera le temps d'arrêter l'épisode ici pour aujourd'hui. Donc voilà, j'espère que vous l'aurez apprécié comme toujours et je vous dis à la prochaine. Bye bye.